Vous avez décroché un entretien d'embauche. Félicitations. Qu'il soit en face à face ou en visio, c'est un moment qui peut se révéler toujours stressant. Aujourd'hui, Isabelle Yancy, hypnothérapeute, nous dévoile ses techniques pour mieux gérer le stress avant un entretien. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer pourquoi nous sommes stressés avant un entretien ? Alors, nous sommes stressés avant un entretien, surtout à cause de la peur de l'inconnu. C'est-à-dire qu'on ne connaît ni la personne avec qui on va passer cet entretien, ni l'entreprise, ni le contexte, ni les questions, etc. Et qu'on a peur de mal répondre, de mal faire. Donc, il y a un côté effectivement inconnu. Il y a un autre côté, on a l'impression de jouer sa vie, alors qu'il faut quand même relativiser. On joue un moment de sa vie, mais c'est évidemment pas non plus crucial. Et il faut surtout garder à l'esprit qu'un entretien, c'est un dialogue et non un monologue ni un interrogatoire. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui provoquent de l'anxiété, mais ça peut être réglé facilement. C'est vrai qu'on a toujours l'impression un petit peu de passer devant le juge quand on se retrouve devant un DRH. Et effectivement, ça peut être une grosse cause de stress. Mais du coup, est-ce qu'il existe des techniques pour nous aider à mieux gérer ce stress ? Alors, il existe différentes techniques. La technique la plus simple qu'on peut faire vraiment n'importe où, à n'importe quel moment, c'est une technique respiratoire qui s'appelle la cohérence cardiaque. Cette technique permet de respirer à un rythme régulier, de faire donc baisser son taux de cortisol, et l'hormone du stress, et de permettre au cœur de battre à un rythme régulier pendant 5 minutes. Et pour ça, il faut se concentrer, fermer les yeux un moment, rester dans un endroit calme, mais ça peut prendre même 2-3 minutes, et essayer de respirer au même rythme. Aussi longtemps à l'inspiration, donc on peut compter jusqu'à 6 par exemple, qu'à l'expiration, sur 6 aussi. Et on fait ça pendant un moment jusqu'à ce qu'on sente que vraiment on se détend. C'est la chose la plus facile à faire partout. Il faudrait qu'on puisse s'accompagner de votre voix, Isabelle. Ça nous... Merci. Ça pourrait avec nous aider. Les deux. Donc, ça, c'est un petit exercice qu'on peut effectivement emmener avec nous avant un entretien. Il faudrait le faire quoi ? Juste avant l'entretien, quand on est en salle Juste avant. Alors, soit juste avant l'entretien, soit à la maison avant de partir. Parce qu'effectivement, bah, le chemin, le trajet peut aussi être quelque chose qu'on visualise. On peut se préparer à l'entretien. Alors, il y a vraiment des séances d'hypnose spécifiques aux entretiens d'embauche, aux examens, etc., où on prépare la personne en la faisant visualiser le moment. Et donc, en fait, en le refaisant après chez soi, on revisualise comment je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre, je vais rentrer dans la voiture, je vais marcher à tel rythme. Et vraiment, on se met dans l'ambiance, comme on dit, avant. Okay. Et ça permet de dédramatiser. Eh ben c'est super, on va essayer ça du coup. En tout cas, déjà avec votre voix, on se sent beaucoup plus détendu. Merci beaucoup Isabelle pour ces précieux conseils. Donc à vous qui passez un entretien, on vous souhaite bon courage et plein de réussite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ce post. Nous essaierons d'y répondre. Et donc moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils d'experts.